Bonjour tout le monde. Nouveau glitch don de véhicule. Très facile à faire et rapide les gars. Profitez-en avant que ça soit patch. Donc en premier temps, il ne va pas vous falloir grand-chose. Il va falloir un complexe et un ami. Donc votre ami, il va vous préparer le véhicule dehors. D'accord? Il va vous attendre en haut là. Avec le véhicule qu'il veut vous donner. Moi, ici, il va falloir que j'ai des RH8. Donc autant de RH8 que je veux de don. Vous sortez avec ce véhicule. Donc vraiment, il va durer 5 minutes le glitch. Vous sortez avec ce véhicule. Vous appelez Meriwether et il faut que vous fassiez livrer une cargaison de munitions. Parce qu'à l'intérieur, en fait, vous avez des cocktails Molotov. On va avoir besoin de 3 cocktails Molotov à chaque manip. Vous voyez mon pote, il a mis le véhicule sur le rond jaune de mon complexe. Lui, il n'a plus rien à faire. Il a juste à m'aider. Merci à Samaï les gars, merci Poto pour la vidéo, m'avoir donné un coup de main et un véhicule. Donc là c'est bon, je vais préparer une activité récente pour tout à l'heure. Donc vous allez dans activité récente, à acheter un nouveau véhicule, vous mettez le curseur sur lancer GTA Online. Et vous faites deux fois PS, vous revenez dans le jeu. Donc tout ça c'est bon. Maintenant, vous allez prendre votre colis. Donc, il faut lui tirer dessus. Et là, vous aurez 3 cocktails Molotov sûrs. C'est parti, on va faire le glitch maintenant. Donc, vous rentrez dans la RH8. Vous allez aller à l'entrée du complexe. Et une fois que vous êtes rentré dans le complexe qui est plein, donc on veut avoir le message. Voilà, dès que vous voyez le véhicule, boum, vous faites deux fois PS, vous lancez GTA Online, vous restez sur ce message jusqu'à temps que vous entendez l'ascenseur. Dès que vous n'allez plus entendre l'ascenseur, ça va être OK. Vous allez pouvoir faire rond et triangle. Donc là, on va attendre que l'ascenseur aille jusqu'en bas. C'est pas plus dur, les gars. Il est très très facile à faire. Tout le monde peut le réussir. Il va vous falloir juste un complexe et un ami. Sérieux, profitez-en les gars. Tous les petits levels, faites-vous donner une RH8 full custom. À 950 000 ou 980 000. Comme ça, vous allez pouvoir faire le glitch solo après, que je vous ai mis en vidéo. De Tuto Facile France. Allez, ce week-end les gars, vous allez passer un bon dimanche à mon avis. Donc là, j'avais plus le bruit. J'ai refusé le message. Et j'ai fait triangle. Et là, à ce moment-là, on va atterrir, il faudra voler un véhicule de PNJ. Donc il faut pas que vous fassiez écraser, que vous soyez mort. Sinon, il faudra tout recommencer. Donc faites gaffe, au pire, faites voler amené par votre pote. Voler un véhicule de PNJ de la rue qui va dans les garages. D'accord? Parce que pas tous les véhicules vont dans les garages. Donc ce véhicule, c'est OK. Maintenant, on va faire la deuxième partie du glitch, qui est aussi facile que l'autre. Il y a juste des petits détails à respecter. Donc je vais pas me mettre trop près du complexe pour après y aller et avoir le message. Là, vous allez sélectionner les cocktails Molotov. Et vous allez en lancer 3 à ras de la dalle. Pas sur la dalle ni derrière, à ras de la dalle. Donc vous mettez votre curseur, vous voyez comme il est. Je vais lancer 3 cocktails Molotov. Et là maintenant je vais aller dans le feu et j'aurai le message complexe plein. Là vous allez attendre à peu près 10 secondes. Donc, il y en a qui arriveront à le faire avant. Il faut que votre véhicule soit en feu. Vous allez accepter les messages et vous laisser exploser avec le véhicule ou vous suicider. Peu importe. Le tout c'est d'accepter les messages et que vous rentriez pas dans le complexe. Une fois que vous êtes suicidé, le glitch il est fait les gars. Vous avez juste à récupérer le véhicule de votre pote et le mettre dans votre garage. Donc pour pas avoir la cinématique, j'ouvre mon pavé tactile. Et je vais monter dans son véhicule et le rentrer dans mon garage. Et le switcher avec une RH8. Voilà, c'est pas plus dur. Et là vous avez juste à enchaîner le glitch. Donc en session sur invitation, c'est préférable pour être tranquille. Et ça marchera dans toutes les sessions. Voilà les potos. Bon, je vous dis bon glitch, passez un bon week-end, à
bientôt les potos. Ciao.